Bonjour, bonjour la famille. Aujourd'hui, une nouvelle journée. On va faire une petite vidéo. On va faire notre le sandwich. On va dire en termes de barbecue poulet avec le blanc de poulet. Là, la première étape, c'est de mariner notre poulet simplement et rapidement. Alors, on va mettre du sel. Je le mets en même temps. Du sel. On va saisonner avec du sel. On va mettre le poivre noir. Voilà, le poivre noir. Voilà. On va mettre le gingembre. Le gingembre moulu. On va mettre le gingembre moulu. Ça sera simple et rapide. Et je mets l'huile d'olive. Voilà. L'huile d'olive. On va mariner ça correctement, simplement. Et ça sera vraiment goûteux. Désolée pour le bruit. Avec les enfants, c'est pas évident. Et voilà. Et le tout, on va le mariner et laisser reposer au moins une demi-heure avant la préparation, avant la cuisson. Donc, on va mariner le tout. Là, pour ceux qui aiment vraiment beaucoup d'épices, mettez les épices que vous voulez. Au moins comme ça suffit, c'est goûteux et c'est très très bon. Et voilà, on laisse reposer dans le frigo pendant 30 minutes. On revient tout à l'heure. Et voilà, 30 minutes après, 30 minutes après, on va maintenant mettre notre blanc de poulet dans le four. Donc, je vais mariner mon plat, ma casserole avec l'huile d'olive. Et du coup, je viens mettre mon blanc de poulet comme ceci. Je viens de mettre mon blanc de poulet comme ceci. Voilà, je le mets comme ça. Après, je viens rajouter du thym. Voilà, juste pour parfumer, je vais rajouter du thym. Voilà, pour un début, je vais couvrir ça. Je vais couvrir ça, comme ceci. Et je vais mettre au four à 200 degrés pendant 10 minutes. Après, j'enlève le papier alu. On se dit à tout à l'heure. On va le mettre au four. Voilà, mon poulet est prête. Donc du coup, on va le couper pour mettre dans notre sandwich. Voilà, on va couper un petit morceau. On coupe comme ça. Voilà. On va prendre notre pain marocain
qu'on va faire notre kebab. Le pain marocain est là. Je prends la sauce poivre. Je trouve que c'est trop bon. Je badine tout dedans. Je prends les oignons que j'ai préparés avec de l'avocat. Je mets la tomate. Je rajoute l'avocat. Je mets des oignons. J'adore les oignons. J'hésite pas de mettre. Et du coup, on rajoute notre poulet. Voilà, je vais pas tout mettre quand même. Et voilà notre sandwich de poulet au pain marocain. Bon appétit! Voilà, sandwich pain marocain, miam miam miam, au poulet, très bon. Bon appétit!